à ce moment de culte. J'espère que tu es dans la joie. Je sais que tu es dans la joie d'être là. Moi, je suis très contente d'être là aussi. Et est-ce que tu peux lever tes mains pour dire merci, Papa Céleste, de nous avoir donné ces moments. Alléluia. Alors, juste maman, elle était très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, nous allons prier pour confier ces moments au Seigneur. Baisse la tête et nous allons prier. Cher Père Céleste, merci de nous avoir donné ce moment. Merci de nous enseigner, de nous parler. Nos cœurs sont ouverts pour écouter ta parole, Seigneur. Donne-nous de la comprendre et de la garder au fond de nos cœurs. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, les enfants, nous allons jouer à deux jeux en même temps. Donc, je vais me lever et nous allons jouer à deux jeux en même temps. Je vais vous expliquer en quoi va consister ces deux jeux. Alors, les enfants, le premier jeu s'appelle « Devine ce que je vois ». Et le deuxième jeu s'appelle « L'arbre à reconnaissance ». Tu vois cette arbre-là qui est derrière moi? Tu le vois? Il est tout vide. Et je vais t'expliquer pourquoi il est vide. Tu vois, nous sommes comme cet arbre. Et quand on ne dit pas merci à Dieu, on n'est pas beau. Il n'y a pas de feuilles. Et les feuilles, elles sont ici, dans un panier. Et tu vois, et à chaque fois qu'on dit merci à Dieu, la feuille, elle va venir orner ton arbre. Et à la fin, tu vas voir comment l'arbre est tout beau. Alléluia. Alors, le premier jeu, c'est devine ce que je vois. Je vais te dire, regarde, il y a plein de choses ici. Et je vais te dire des choses pour lesquelles je suis reconnaissante à Dieu. Et tu vas deviner. Après, je vais écrire sur la feuille et je vais la coller sur mon arbre. Ça, c'est mon arbre à moi. Toi aussi, tu vas faire ton arbre à toi à la maison. Tu peux la faire petit. Tu peux le coller sur le frigo. Et comme ça, chaque jour, quand tu vois de quoi tu es reconnaissant à Dieu, tu écris quelque chose et tu pars coller. À la fin, tu vas m'envoyer les photos de ton arbre à reconnaissance. Amen. Tu vas voir comment ton arbre va être joli. En tout cas, moi, je suis sûre que le mien, il va être très beau. Alors, maman Alette est reconnaissante à Dieu pour quelque chose dans cette pièce. C'est quelque chose qui est à la couleur blanche. C'est quelque chose qui se boit chaque matin. C'est quelque chose, parfois on le boit chaud, parfois on le boit froid. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Regarde bien. Voilà, je l'ai trouvé! Je suis reconnaissante à Dieu pour le lait. Tu vois, le lait, tu bois ça tous les jours, mais qui a fait le lait? C'est la vache. Mais qui a fait la vache? C'est Dieu. Mais qui élève la vache? C'est l'agriculteur. Donc, tu dois être reconnaissante à Dieu d'avoir fait la vache, à l'agriculteur d'avoir nourri la vache et à la vache de t'avoir donné du lait. Alors, on va écrire sur notre petit papier. Je me mets là et je vais écrire sur ma feuille qui est vide. Le lait. Miam, miam. Je vais le coller. Je mets un petit peu de colle. Et je vais venir le mettre ici. Voilà ma première feuille. Alors, maman Alette est reconnaissante pour quelque chose d'autre qui est dans cette pièce. C'est blanc aussi. Et on le mange toujours cuit. Et c'est comme des petits grains. Parfois, on met la sauce dessus. Tu as deviné? C'est le riz! Bravo! Je suis reconnaissante à Dieu pour le riz. Alors, je vais encore écrire le riz. Et je dis merci à maman de bien cuire le riz pour moi. Merci Seigneur pour le riz. Et merci à maman aussi. Voilà, le riz. J'aime le riz. Miam, miam. C'est bon.
arabe commence à devenir beau, hein? Tu as vu? Alors, maman Alette aussi est reconnaissante pour quelque chose d'autre qui est dans cette pièce, mais qui est aussi chez toi. Et c'est à travers ça qu'on peut se voir. Tu as deviné? Oui, c'est la télé. Je suis reconnaissante à Dieu pour la télé. Alors, je dis merci à Dieu d'avoir donné la télé par tous les techniciens. Donc, je dis merci à papa d'avoir acheté la télé. Et je dis merci à Dieu aussi. Alors, je vais écrire la télé. S'il n'y avait pas la télé, comment on va faire pour se parler aujourd'hui? Waouh! Merci Seigneur pour la télé. Et maintenant, je vais mettre ma feuille de reconnaissance sur mon arbre à reconnaissance. Et comme ça, je vais me rappeler que Dieu est tellement bon. Waouh! T'as vu? Maintenant, encore une autre chose, je suis reconnaissante à Dieu pour quelque chose qui est dans cette pièce. C'est orange, c'est un peu sucré. Et parfois on le mange comme ça ou bien on en fait, on le presse et on trouve du jus. Tu sais de quoi il s'agit? Ah oui, c'est l'orange. Je suis reconnaissante à Dieu pour l'orange. Miam, miam, c'est bon. Alors, je vais écrire l'orange. Merci à Dieu d'avoir fait l'orange. L'orange, il y a plein de vitamine C dedans. Et puis, quand je le mange, j'ai plein de force. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir fait l'orange. Et merci à l'agriculteur d'avoir cultivé l'orange. Merci à papa et à maman d'avoir acheté des oranges pour moi. C'est bon, miam miam. On va le mettre où? Ici. Ah, l'orange. Merci pour l'orange, Seigneur. Oh là là. Encore une autre chose. De quoi vais-je être reconnaissante à Dieu aujourd'hui encore? Ben, c'est quelque chose qui n'a pas de couleur, mais qu'on utilise tous les jours pour se laver. Pour laver ses dents, on en a besoin pour boire. Si on n'en boit pas, allez, c'est difficile. On ne peut pas laver les habits sans. Tu sais de quoi il s'agit? Oui, c'est l'eau. Tu as vu? Merci à Dieu pour l'eau. S'il n'y avait pas d'eau, comment on va faire? On ne peut pas laver des habits, on ne peut même pas vivre sans eau, tu vois? Merci à Dieu pour l'eau. C'est lui qui a créé l'eau. Waouh! Tu es bon, Seigneur. Oh là là! Mais Dieu est tellement bon. Alors, je vais écrire ici. Merci pour l'eau. Je vais venir le mettre sur mon arbre à reconnaissance. Et je vais me rappeler pour que Dieu voie combien je suis reconnaissante à lui d'avoir fait de l'eau et de la bonne eau potable. Voilà, l'eau. Waouh, mon arbre commence à ressembler à quelque chose. Tu vois, il commence à devenir joli là. Il n'est plus sec. Alors, pourquoi vais-je encore être reconnaissante à Dieu ici? Eh bien, c'est quelque chose que l'on casse parfois pour faire un bon plat. Parfois, on peut aussi le cuire comme ça. Et c'est un animal qui fait souvent cocorico qui le pond. Tu vois de quoi il s'agit? Ouais, c'est l'œuf. J'aime l'œuf, j'aime l'œuf. Ouh, miam miam. Je suis reconnaissante à Dieu pour les œufs. Sans les œufs, je n'aurai jamais d'omelette. Alors, je vais écrire ça quelque part. Merci pour les œufs. Waouh. Et je vais mettre de la colle. Tu peux demander, tu peux commencer déjà à dessiner ton arbre comme ça. Après, tu pourras faire facilement ton arbre aussi. Ton arbre à reconnaissance.
Ah, c'est bon. Voyons voir. Il y a, maman, il y a quelque chose dans cette pièce pour laquelle maman elle était reconnaissante à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on utilise pour découper, pour avoir de jolies feuilles. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ce sont les ciseaux. Ben, si j'avais pas de ciseaux, j'aurais pas pu faire les jolies feuilles là que je suis en train de mettre sur mon arbre. Alors, merci à Dieu pour les ciseaux. Je vais écrire ça ici. Les ciseaux. Mais il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles je dois remercier. Tu as vu comment il y a toujours des branches qui sont vides. Waouh! Bon, maintenant, tu vas deviner. Il y a quelqu'un. Tu vois, ici, j'ai mon album. Tu as vu? Il y a plein de photos là-dedans. Et ça me rappelle plein de gens. Et je vais te dire, je suis reconnaissante à Dieu pour plein de personnes. Alors, devine de qui je suis reconnaissant. Je vais ouvrir mon album et je vais commencer à regarder. Mais toi, tu vois quoi? Alors, je l'appelle mon papounet. Je suis reconnaissant à Dieu pour mon papounet. C'est mon papa. Ben, si j'avais pas de papa, je serais pas ici. Et je suis reconnaissante à Dieu parce qu'il m'a aimé, il m'a aimé très fort, il m'a soigné, il a prié pour moi, il m'a nourri, il m'a éduqué. Waouh, merci Seigneur pour mon papa. Donc je vais écrire comme ça, merci à Dieu pour mon papa. Tu m'as donné un bon papa, je te dis merci. Mon papa. Continue à grandir. Ah, je veux encore dire merci à Dieu pour quelqu'un d'autre. Tu sais de qui il s'agit? Ah ben, s'il n'y a pas de maman non plus, il n'y a pas d'enfant. Donc, je dis merci à Dieu pour ma maman. Elle est tellement gentille. Elle me faisait de gros bisous comme ça. Elle m'a nourri avec son sein. Waouh! Je veux dire merci à Dieu pour ma maman. Afin que Dieu sache que je suis content de la maman qu'il m'a donnée. Voilà, je vais le coller à côté de mon papa. T'as vu? Oh, c'est mignon ça. Il y a encore quelqu'un d'autre dans cette pièce pour lequel, dans cet album pour lequel je suis reconnaissant à Dieu. Ils sont là. Ce sont mes frères et sœurs. Oh, je suis reconnaissant à Dieu pour mes frères et sœurs. Je vais écrire ici ma sœur et mon frère. Et tous mes neveux et nièces. Waouh. Alors, je vais coller ça ici. Tu peux être reconnaissant à Dieu pour tous tes cousins, tes cousines qui sont au pays ou qui sont ici. Tu vois, tu n'es pas seul dans la famille. Il y a plein de gens. Dis merci à Dieu. C'est lui qui a voulu ça. Alors, voilà, ici. Ah. Oh là, mon âme, il est beau. Mais c'est pas fini. Tu vois qu'il y a encore plein de place. Hein? Mais
de qui je vais être reconnaissant, pour qui je vais être reconnaissante. Voyons voir. Eh ben, je suis reconnaissante à Dieu pour quelqu'un. C'est mon mari. Tu le connais? C'est Papa Doudou. Alors, je suis reconnaissante à Dieu pour lui. Je vais écrire ici. Dans l'album, il y a encore des gens pour lesquels je dois être reconnaissante à Dieu. Oh, ils sont ici. Oh, c'est le papa et la maman de Papa Doudou. Je suis reconnaissante à Dieu pour eux. Waouh. Oh, je suis reconnaissante à Dieu pour mes parents d'amour. Tu vois, les parents que tu as, ce sont tes parents. Mais ce que Dieu te donne quand tu es marié, ce sont tes parents d'amour. Tu vois? Ah! Et ils m'aiment tellement. Waouh! Merci à Dieu pour eux tous et pour mes frères et sœurs d'amour. Tu vois? Il faut pas te fatiguer. Tu vois? Faut pas dire, waouh, ça va finir quand. Non! Dieu t'a donné plein de choses. Alors, faut prendre le temps de lui dire merci. Tu vois? Alors, tu dis merci. Patience la dernière fois, n'est-ce pas, les enfants? Alors, il faut être patient pour rendre grâce à Dieu. C'est pas fini, hein? J'ai plein de photos dans mon album ici. Oh, ben, je suis reconnaissante à Dieu pour tous mes amis. Voilà, Dieu m'a donné plein d'amis. Je dis, je suis reconnaissante à Dieu pour mes amis. Tu vois, les amis, c'est important. Tu joues avec eux, tu peux rire, ils t'aident, ils te donnent des conseils. Quand tu as besoin de quelque chose, ils viennent t'aider, tu vois. On n'est pas tout seul dans la vie. Et ça, c'est précieux, c'est Dieu qui donne les amis. Alors, il faut lui dire merci. Merci à Dieu et merci à tous mes amis d'être de bons amis pour moi. Alors, on continue. Je veux dire merci à Dieu pour qui? J'ai plein de photos ici, hein. Voyons voir. Voilà. Je vais dire merci à Dieu pour tous les anciens. Tu vois? Les anciens. Les diacres. Les responsables. Ils sont toujours avec nous. Ils travaillent fort et dur. Ils sont responsables. Et ils nous aident. Fais l'œuvre de Dieu. S'ils n'étaient pas là, ça allait être dur, hein? Tu vois? Merci à Dieu pour eux. On va dire merci à Dieu encore pour quelqu'un d'autre. Waouh! Mon arbre à reconnaissance ne fait que grandir. Ouh! Waouh! Il commence à devenir vraiment très beau, hein? Je suis très fière de mon arbre à reconnaissance. Ben, quand je regarde encore dans mon album, je veux dire merci à Dieu pour mes parents spirituels. Tu sais, papa et maman Karambiri. Donc, je mets ici mes parents spirituels. Je dis merci à Dieu. Parce que s'ils n'étaient pas là, ils nous encouragent, ils prient pour nous, ils nous donnent de bons conseils. Waouh, merci à Dieu. Toi aussi, tu peux dire merci à Dieu pour qui? Dis-moi. Ton tonton, ta monitrice de l'école du dimanche, c'est comme ton papa, ton parent spirituel aussi, tu vois? Donc, tu dois dire merci à Dieu pour lui. Waouh! Ben, est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Je dis merci à Dieu pour Tata Christiane. Tu vois, c'est elle qui fait tous les jours les diapos pour nous ici. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? Oh là là, si elle n'était pas là, ça
ça serait bien triste, hein? Tu vois, elle me fait rire tout le temps ici. Donc, je dis merci à Dieu pour Tata Christiane. Ah! Tu vois, on va mettre tout ça sur la barre reconnaissance. Mais je suis bénie, regarde tout ça, et c'est pas encore fini. Oh! Regarde, où est-ce qu'il y a même... On va le mettre ici. Ici. Voilà. Super! Ben, on continue. On va dire merci à Dieu pour Tonton Chris. S'il n'était pas là, vous n'allez jamais avoir du son, hein? Parce que nous, on ne connaît pas ça. Donc, Tonton Chris, on va dire merci à Dieu pour lui. Et là, tous les techniciens qui sont derrière, toute l'équipe technique qui travaille tous les jours pour qu'on puisse avoir le culte. Waouh, Seigneur, merci pour toutes ces personnes. Tonton Chris, voilà, on met ça là. Ah, tu vois, j'espère que tu as dessiné ton arbre chez toi à la maison, que tu n'es pas en train de me regarder seulement, que tu as dessiné ton arbre et que tu commences à faire tes petites feuilles. Alors, on va dire merci à Dieu pour qui? Ah ben, pour Tonton JC qui joue au piano. S'il n'était pas là, ça allait être dur, on allait chanter comme ça sans rien. Ouh, merci Tonto JC. Tu es venu depuis chez toi pour nous aider. Waouh, merci à Dieu. Ah ben, on va pas oublier aussi quelqu'un d'autre. Tata Grâce, vous vous rappelez d'elle? C'est elle qui a commencé les leçons avec vous. Ah ben, on va coller ça quelque part ici. Eh ben, il faut pas oublier. Faut toujours se rappeler de ce que Dieu a fait. Merci à Dieu pour ta grâce. Ah, il faut le coller là. Et pour qui d'autre on va dire merci à Dieu? Moi, je veux dire merci à Dieu pour mon pasteur. J'avais eu un pasteur ici, avant. Tu n'étais même pas né, toi. Mais il était bon. Je vais écrire son nom ici. Merci à Dieu pour mon pasteur, Yves. Et maman Laurie. Voilà, je vais coller là pour dire merci à Dieu au pasteur Yves et maman Laurie. Ha ha, t'as vu? Oh, mon arbre, il est beau. Hé, on peut passer toute la journée pour dire merci à Dieu, tu vois? Pour qui j'ai pas dit merci? Faut que je me rappelle, hein? Parce que y a plein de choses. Ha ha, waouh, je veux dire merci à Dieu pour tous les enfants. Si les enfants, vous étiez pas là, on serait pas là non plus, hein? Donc, merci. Vous êtes précieux. Waouh! Tu vois? Tu vois, tu as commencé à trouver? Je t'entends dire merci à Dieu pour la brioche. T'es content de la brioche? Il faut dire merci. Merci à Dieu pour quoi? La confiture! Ah oui, j'ai oublié la confiture. Miam, miam, c'est bon la confiture. Tu veux dire merci à Dieu pour quoi d'autre? J'ai pas bien entendu, dis-le fort. Ah, pour ton tonton. Oui, tonton Davel et toute l'équipe. On va dire merci à Dieu pour tonton Davel. Il prie pour vous tous les jours, hein? Il faut dire merci à Dieu pour tous vos tontons et toutes vos tatas de l'école de dimanche. Ah, super. Et pour qui d'autre? Il faut parler fort. À reconnaissance, c'est beau, n'est-ce pas? Alors, on acclame le Seigneur pour tout ça. Merci, Seigneur Jésus. Allez, tape tes mains à la maison. Dis merci, Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as donné tout ça. Ouh là là, il est beau, mon arbre. Tu as vu comment il est tout vert, mais il n'est pas aussi moche qu'avant. Alors, merci, Seigneur Jésus.
Alors, est-ce que tu es prêt maintenant à ce qu'on loue le Seigneur parce que nos cœurs sont dans la joie? Quand tu vois tout ça, ce que Dieu fait pour toi, tu te rends compte que Dieu est vraiment merveilleux. C'est lui qui donne tout ça. Nous ne dépendons pas des choses pour être contents. Jésus est en toi, alors tu es content. Tu sais qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Allez, danse! Joie, joie.
cheveux. Oh, on est toutes jolies comme ça, j'aime mes cheveux. Merci pour mes yeux, si j'avais pas des yeux, comment j'allais vous voir? Merci pour ma voix. Tu vois, il y a tellement de raisons de bénir, de dire merci à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu vas dire que tu es né pour te le louer, né pour l'adorer. Parce que tout ce qui est en toi doit bénir le Seigneur. Amen. Tu peux faire tes mains comme ça? Ah oui, Jésus aime ça, Jésus aime ça. Alléluia, alléluia. C'est que quand tu es reconnaissant, tu te rappelles que c'est Dieu qui est la source et que c'est Dieu qui te donne toutes choses. Tu vois, quand on a dit merci pour le lait, on a pensé à la vache. Mais on a dit que mais la vache, elle ne s'est pas créée elle-même toute seule. Parce que qui a fait la vache, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Tu te rappelles? Qui a créé la vache? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Ce n'est pas moi. C'est pas toi, c'est Dieu. Donc quand tu dis merci, tu te souviens que Dieu est la source. Et donc tu restes proche de Dieu et Dieu est content. Donc dis merci te permet de te rappeler tous les jours que Dieu est la source. Dis avec moi, Dieu est la source. Dieu est la source. Il est Abba. Abba. Amen. Donc c'est bien. Première raison, c'est pour nous rappeler que Dieu est la source. La deuxième raison pour laquelle nous devons être reconnaissants et dire merci à Dieu, c'est que quand tu dis merci à Dieu, tu deviens riche.
Ah oui, tu deviens riche. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que Dieu t'a donné plein de choses. Tu vois, tu t'as donné plein. On n'a même pas fini de citer. Il y a encore plein de choses. Notre arbre, il va être tout fou, tout fou, tout fou, tout fou, tout fou. Parce qu'il y a plein de choses. Est-ce qu'on a dit merci pour les biscuits, les chaussures? Est-ce qu'on a dit merci pour les pieds? Est-ce qu'on a dit merci pour le jean? Il y a plein de choses. Tu te rends compte que tu es riche, mais par-dessus tout, tu as celui qui a la source de toutes choses. Parce que toutes ces choses-là peuvent passer, mais celui qui te donne tout, s'il est toujours avec toi, alors tu n'as rien à craindre. Tu vois? Donc être reconnaissant te permet de te rappeler que Dieu est la source de toutes choses. Cela te permet, te rend riche. Amen. La troisième raison pour laquelle il faut rendre grâce à Dieu, c'est que quand tu es reconnaissant, tu enlèves la jalousie de ton cœur, tu enlèves l'insatisfaction de ton cœur, tu enlèves l'envie, tu commences à être content de ce que tu as. Tu ne regardes pas, mais le voisin là-bas, sa voiture est comme ça et la voiture de mon papa, il est comme ça, ou bien mon papa n'a pas de voiture. Non, tu dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné de bonnes chaussures pour marcher. Tu vois, ça t'enlève les mauvaises choses qui sont dans ton cœur et tu deviens content. Même quand le diable te manque, tu vois, tu n'as rien. Tu dois être triste parce que tu n'as rien. Quand tu commences à dire, j'ai plein de choses, j'ai un jouet, j'ai ceci, j'ai cela. Tu vois, cela enlève les mauvaises choses en toi et Dieu est content de toi. Dieu prend plaisir en toi. Amen. C'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est que ça fait que tu es content. Tu vois, quand tu commences à dire merci, il y a la joie qui est dans ton cœur. Tu es content. Et tous les jours, tu es content parce que Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Et un moyen d'être joyeux, c'est de dire merci. Quand on te donne quelque chose, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour mes amis. Merci pour mes tontons. Merci pour mes enseignants. Merci pour le pays dans lequel je suis. Merci, 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 merci. On ne peut pas cesser de dire merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris? On reprend encore les quatre raisons. La première raison, c'est que tu te rappelles que Dieu est la source de toutes choses. La deuxième raison, c'est que ça te rend riche. La troisième raison, c'est que ça corrige l'insatisfaction et l'envie en toi. Et la quatrième raison, c'est que tu es plein de joie. Amen. Alors, merci est un grand trésor. Parce que quand tu as merci dans ton cœur, tu as beaucoup de choses en même temps. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prêt pour prier? Tu es prêt pour prier? Alors, baisse la tête. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu. La première chose pour laquelle nous allons prier, c'est que tu vas demander à Dieu de t'aider à être content avec ce que tu as, à être reconnaissant avec ce que tu as et à ne pas vouloir les choses que tu ne peux pas avoir. Dis à Dieu, Seigneur, répète, Seigneur, il y a des choses que je veux et que je ne peux pas avoir. Je te demande de m'aider à être content et reconnaissant pour les choses que tu m'as déjà données. Amen. La deuxième prière, c'est que tu vas demander à Dieu de t'aider à être content avec les personnes qui ont des choses que toi tu n'as pas. Tu vas demander à Dieu de t'aider à être content avec les personnes qui ont des choses que tu n'as pas. Alors dis avec moi, Seigneur, je me sens frustré quand mon ami, mon frère ou ma soeur a quelque chose que je n'ai pas. S'il te plaît, aide-moi à me réjouir pour elle. Aide-moi à me réjouir avec lui. Aide-moi à être reconnaissant pour tout ce que tu m'as déjà donné. Amen. Amen. Alors, tu es content? Oui. Alors, nous allons donner à Dieu avec joie parce que tout ce que nous avons là, c'est lui qui nous donne. Donc maintenant, nous allons nous lever pour vous donner les offrandes à Dieu avec joie de tout notre cœur. Et ensuite, nous allons revenir pour apprendre le verset à mémoriser. Amen. Alors, tiens-toi debout à ta place et nous allons donner à Dieu avec joie. Alléluia. Je donne avec joie, je donne
Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Encore, je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. On va accélérer puis on va donner vite, 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 d'accord? Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, avec enthousiasme, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je suis pressé de donner à Dieu. Je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Encore. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Tu vois, tu es content quand tu donnes comme ça, avec joie, en courant. Alléluia. Amen. Alors, asseyons-nous. Et nous allons apprendre le verset. Le verset, il est très court aujourd'hui. Il n'y a que deux mots dans le verset. Deux mots seulement. C'est Colossiens chapitre 3, verset 15. On prend nos Bibles. Est-ce que tu sais lire? Tu peux prendre ta Bible. Tous ceux qui savent lire, prenez vos Bibles. Colossiens. Et on a appris les livres de la Bible pour trouver facilement. Je crois que c'est ce mercredi que vous allez terminer. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 15, et c'est la deuxième partie du verset 15. Il dit, et soyez reconnaissants. Répète avec moi. Colossiens 3, 15. Et Colossiens 3, 15. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Colossiens 3, 15. Et soyez reconnaissants. Tu vois, pour apprendre le verset facilement, tu penses à Colossiens, tu dis 3, multiplié par 5, ça fait 15. Donc, Colossiens 3, 15. Colossiens 3, 15. Et soyez reconnaissants. 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 Amen. Alors, on va apprendre ce verset, mais dans le langage des signes. Tu connais le langage des signes? Le langage des signes, c'est le langage qu'on utilise pour ceux qui n'entendent pas. Donc, nous allons le dire avec le langage des signes. On va dire ça. Tu vois, tu mets ta main comme ça, tu fais ta main comme ça, devant ta bouche, et tu fais comme ça. Tu vois, ça fait merci. C'est facile, non? Merci, soyez reconnaissant. Donc, quand tu penses à ce verset, Colossiens 3, oui, multiplié par 5, 15, et soyez reconnaissant. Merci. C'est bien? Voilà. Donc, si tu vois quelqu'un qui ne sait pas, n'entends pas et que tu veux lui parler, tu peux lui dire, si tu veux lui dire merci, tu peux dire aussi merci. Tu baisses la main vers le bas. Merci. D'accord? Voilà, c'est super. Donc, pour l'activité, tu vas faire ton propre arbre de reconnaissance et tu vas le mettre sur le frigo de la maison. Et chaque jour, tu vas écrire au moins deux choses pour lesquelles tu es reconnaissant à Dieu jusqu'à la semaine prochaine. Tu vois, quand tu es en train de manger du pain, dis merci à Dieu pour le pain. Tu écris sur la feuille et tu le colles. Tu vas voir qu'il y a mille raisons de remercier le Seigneur. Alléluia. Et pendant la semaine, dans le PDF là, et ça sera affiché tout de suite, tu vas voir, il y a un petit planning où tu vas apprendre à dire merci à Dieu. Par exemple, tu vas penser lundi, qu'est-ce que je veux faire pour dire merci à Dieu et aux autres? Tu vois, tu peux réfléchir
pour savoir comment tu vas dire merci à ton papa pour tout ce qu'il fait pour toi. Tu vas penser comment tu vas dire merci à ta maman de laver ton linge, de te faire le repas. Tu vois, tu vas apprendre à dire merci à tous ceux qui t'entourent. Dis merci à ta nounou, dis merci à ta maîtresse, si tu peux lui envoyer un SMS. Tu peux dire à ta maman, « Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer un message à ma maîtresse pour lui dire que je lui dis merci pour tout ce qu'elle fait pour nous ?» Tu vois, tu vas apprendre à dire merci à l'épicier quand tu vas acheter quelque chose. Hein? Quand il finit de te donner, même si tu as payé, tu dois dire merci. Tu vois, quand tu demandes à quelqu'un quelque chose et qu'il te le donne, tu dois dire toujours merci. Donc, tu vas apprendre ça. Demande à papa et maman vont t'aider, te donner des idées pour que tu puisses dire merci et développer un cœur reconnaissant envers ton frère, ta soeur, ceux qui jouent avec toi. Tu dis merci à tes frères parce qu'ils ont joué avec toi, parce que vous avez mangé ensemble. Tu vois, alors, apprends cela et la semaine prochaine, on va corriger. Hein? Je vais corriger. Alors, la correction de la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? On a vu que je loue Dieu. Et il y avait plein d'animaux qui louaient Dieu. Voilà les enfants, ça c'était l'activité de la semaine dernière. Nous avons vu que les animaux aussi louent Dieu, plusieurs choses louent Dieu. Et je vous ai donné, on vous a donné ce dessin là pour que vous puissiez faire, vous puissiez dire comment tous ces animaux, toutes ces choses louent Dieu. Alors, le cheval, comment il loue Dieu? Il loue Dieu en faisant hi-ha, il loue Dieu en galopant, il loue Dieu en courant dans les bois. Ça, c'est sa manière de louer Dieu parce que Dieu l'a créé pour ça. Dieu l'a créé pour courir, pour galoper. Et voilà, quand il fait ça, il est en train de louer Dieu. Quant au papillon, il loue Dieu en étant tout beau, en voltigeant sur les fleurs, en allant avec toute douceur. Tu vois, il est en train de montrer la beauté, la splendeur de Dieu. Le coq, quant à lui, il loue Dieu en nous réveillant tous les matins. Cocorico! Il est là de louer Dieu. Il est là de le chanter. Il est là de se réveiller. Et il est tout beau avec sa crête là. Vous avez sa crête toute rouge. Il est le roi de la basse-cour. Tout fièrement, il marche comme ça. Allez, tu vois, il loue Dieu en assumant son rôle. Quant à l'éléphant, il loue Dieu en faisant plein de bruit avec sa trompe. Et le kangourou, lui, il loue Dieu en sautant. Il saute, il saute, il saute, il saute. Et il a son bébé, il protège son bébé dans son ventre. Waouh! Et les vagues, elles louent Dieu en roulant comme ça. Elles viennent avec force, elles roulent et elles s'écrasent pour dire, c'est ici la limite que Dieu nous a donnée. Nous respectons cette limite, tu vois. Donc, tout loue Dieu, les montagnes, tout loue Dieu. Amen. Maintenant, nous allons passer à la bénédiction avant la fin. Donc, je veux prononcer des paroles de bénédiction pour que tu saches qui tu es en Christ. Et à la fin, tu dis chaque fois « Amen, Amen ». Donc, tu es un garçon, une fille qui refuse de toujours vouloir des choses pour être content. Amen. Tu penses aux choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant au Seigneur. Amen. Tu te satisfais de ce que Dieu te donne. Amen. La reconnaissance est un trésor dans ton cœur. Amen. Tu fais preuve d'une grande sagesse en disant toujours merci à Dieu. Amen. Tu fais preuve d'une grande sagesse en disant toujours merci aux autres pour tout ce qu'ils te font de bon. Amen. Oh, quelle bénédiction tes parents ont de t'avoir pour garçon et pour fille parce que tu partages plutôt que de garder tes affaires pour toi-même. Amen. Amen, 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 amen. Dis amen. Alors, nous allons souhaiter maintenant un joyeux anniversaire à tous ceux qui ont fêté leurs anniversaires cette semaine. On chante ensemble. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous
peux baisser la tête, je veux prier pour nous. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Tu nous as donné un cœur reconnaissant et nous te disons merci. Reçois toute notre louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, maman, allez vous aimer le Seigneur Jésus encore plus. Soyez reconnaissants toutes ces semaines et vous êtes des enfants qui font plaisir au cœur de Dieu.